Alors, à moins d'être un véritable spécialiste de ces accords d'Oslo, le nom de notre invité à présent ne vous dira probablement rien. Et pourtant, c'est lui qui est au cœur de ce processus de négociation qui a duré plusieurs mois en 1993. Terje Rød Larsen, ancien ministre norvégien, ancien diplomate, est notre invité depuis New York. Bonjour à vous, merci d'être sur i24 News, monsieur Larsen. On va d'abord avec vous replonger au tout début de ces négociations. Vous allez nous dire comment tout cela a commencé. No, actually it started many years before because en réalité, tout a commencé plusieurs années avant. Ma femme était diplomate au Caire et cela m'a permis de rencontrer Fatih Arafat, le frère de Yasser Arafat. Je dirigeais un institut de recherche et on m'a demandé d'effectuer une étude sur la vie à Gaza et en Cisjordanie. C'est comme cela que je suis entré en contact avec des dirigeants palestiniens et israéliens. De là, je suis allé à Tel Aviv, où j'ai rencontré Yossi Beilin, qui était alors l'assistant de Shimon Peres. Il s'est avéré que nous partagions le même point de vue sur les négociations en cours entre Palestiniens et Israéliens à Washington. Nous pensions que la manière dont les pourparlers étaient menés ne pourrait pas aboutir à une solution. Je me suis retrouvé en Tunisie pour rencontrer Yasser Arafat, le dirigeant de l'OLP, afin de conclure un accord avec lui et de mettre en place des négociations secrètes à Oslo. Pendant ce temps, en Israël, le Parti travailliste avait remporté les élections. Shimon Peres est devenu ministre des Affaires étrangères et Yossi Beilin son vice-ministre. C'est comme cela que tout a commencé. Ouais, c'est un processus incroyable auquel vous avez participé. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter des coulisses de ces négociations secrètes? Est-ce qu'il y a une image, une phrase qui vous reste encore en mémoire jusqu'à aujourd'hui? Je pense que lors de notre toute première rencontre à Oslo, les deux camps étaient d'accord sur un principe de base qui se résumait à une phrase très courte. Ne parlons pas du passé, parlons du présent et du futur. Ne parlons pas de ce qui était là en premier et des droits historiques. Mettons tout cela entre parenthèses et avançons pour dessiner l'avenir. Terje Rød Larsen, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant ces négociations? Est-ce que ça a été d'avancer chaque jour ou est-ce que ça a été finalement de garder ce secret parce que ça devait être évidemment quelque chose d'assez délicat? Les deux étaient difficiles en réalité. Le ministère des Affaires étrangères a conclu un accord avec FAFO, l'Institut de sciences sociales appliquées que je dirigeais à l'époque, pour que tout soit organisé par l'Institut. De cette manière, c'était beaucoup plus simple de garder les avancées secrètes plutôt qu'au ministère des Affaires étrangères, où il faut rédiger des rapports et où de nombreuses personnes sont impliquées. Donc cette petite astuce, qui consistait à établir une coalition entre le ministère des Affaires étrangères et l'Institut de recherche, nous a permis de garder notre secret. Dans les négociations, je pense que le plus important, ce n'était pas la relation entre les Palestiniens et les Israéliens, mais le fait que les deux camps devaient négocier avec leurs propres dirigeants pour savoir comment procéder. Et c'est ça qui, à de nombreux égards, a été le plus compliqué. C'était très difficile de parvenir à un accord et d'obtenir les signatures, je dois le reconnaître. Mais le plus difficile, c'est la mise en place. Selon les accords d'Oslo, il fallait 5 ans pour parvenir à une solution définitive, établir 2 États qui vivraient côte à côte pacifiquement. Mais cela n'a même pas duré 25 ans. Cela nous montre bien que la mise en place représente le défi le plus important et que ce défi est toujours d'actualité, aujourd'hui encore. Eh bien oui, justement, car 25 ans plus tard, on se rend bien compte que les espoirs de paix et d'une solution de 2 États pour 2 peuples sont encore très très loin. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, 25 ans plus tard, lorsque vous regardez ces accords d'Oslo, que c'est un échec aujourd'hui ? Non, parce que d'une certaine manière, les accords d'Oslo représentent 3 choses. Un but, la solution à 2 États, et une institution, l'autorité palestinienne. L'institution existe, elle a son président, son premier ministre, ses ministères, et elle continue sa vie et continue à frapper. Le but est toujours d'actualité, lui aussi. Mais il y a un 3e élément, qui est le processus de paix. Donc les accords d'Oslo sont à la fois un but,
une institution et un processus. Et malheureusement, ce processus se retrouve dans une impasse. Mais j'aimerais aussi rappeler que sans les accords d'Oslo, il n'y aurait pas eu d'accord de paix entre Israël et la Jordanie. Un accord qui a abouti et qui tient toujours 25 ans après sa signature. Et sans cet accord de paix avec la Jordanie, il aurait été difficile, voire impossible pour Israël, de se retirer du Sud-Liban, ce que le pays a fait au début des années 2000. Cela a conduit au retrait de 40 000 troupes syriennes au Liban. Donc, en 2000 et en 2004, l'occupation israélienne et l'occupation militaire syrienne ont cessé au Liban. Ce sont les accords d'Oslo qui ont rendu ces réalisations possibles. Pour en revenir au processus de paix, je dirais que pour le moment, il est au point mort. Jusqu'ici, il a échoué. Mais j'espère qu'il pourra reprendre. L'institution est couronnée de succès. Elle existe toujours aujourd'hui, et ce, malgré les difficultés. Et je pense qu'il y a un très large consensus au sein de la communauté internationale. Tous s'accordent sur le fait que la solution à deux États est la seule solution possible au conflit israélo-arabe. Alors, vous dites que effectivement, il y a des bonnes choses à retenir, heureusement, de ces accords d'Oslo. Quand vous regardez aujourd'hui la situation, c'est-à-dire les Américains qui sont en train de mettre la pression sur les Palestiniens, Hamas, dont apparemment Trump ne veut plus, Gaza, qui est séparée, coupée en deux, hein, maintenant la partie palestinienne coupée en deux, est-ce que vous voyez de l'espoir aujourd'hui, malgré tout ? Je suis convaincu que c'est dans l'intérêt des deux camps de mettre en place une solution à deux États. L'État d'Israël et l'État de Palestine vivant côte à côte en paix. Et je pense qu'à terme, cela finira forcément par arriver, car c'est la meilleure solution, aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Dans la communauté mondiale, c'est l'un des rares conflits dont la solution est aussi évidente. Ce n'est pas un conflit compliqué d'un point de vue intellectuel. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Et je pense que l'histoire nous prouvera que le processus est plus fort que les personnalités. Et qu'à terme, ce processus aboutira à la solution à deux États. La question qui se pose, c'est quand ? Et il est très difficile d'y répondre. Merci, merci beaucoup, Rod Larsen, d'avoir été en direct depuis notre studio de New York avec 24 News pour évoquer donc les 25 ans de ces accords d'Oslo que vous avez vous-même initié et mené très secrètement. Thank you very much. Pleasure being with you. Thank you.